C'est ce feu-là avec lequel vous voulez secouer la Belgique, bien aimé. Vous rigolez ou quoi? Est-ce que vous êtes là, la jeunesse? Est-ce que vous êtes là, la jeunesse? Est-ce que je peux sentir un bon amen d'une jeunesse déterminée? Là, j'ai l'impression qu'elle est même la jeunesse qui va voir. Le RC là en direct jouer, qui plus fort même que vous, bien aimé? Hello! Est-ce qu'il y a des jeunes convaincus ce soir? Quand je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la gloire? Et l'éternel de ce soir, comment ça clame ton Dieu? Ce lieu. Amen, amen. Et j'ai vraiment été béni. Merci pour chaque jeune. Et c'est vrai, bien aimé, comme on l'a dit dans Ésaïe au chapitre 60. Même quand les ténèbres couvrent la terre, même quand l'obscurité les couvre les peuples, sur toi la gloire de l'Éternel s'élève. Amen. 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 Et on nous dit, lève-toi. Amen. Lève-toi, car ta lumière arrive. Retiens juste ceci, bien-aimé, et nous clôturons. Que le fait que la gloire de l'Éternel, que la lumière de l'Éternel arrive, ne suffit pas. Mais on nous dit, lève-toi, sois éclairé. Bien-aimé, le fait que le train passe ne signifie pas que tu seras dans le train. Hello? Je répète, le fait que le train passe et s'arrête même à la gare ne signifie pas que tu seras dans ce train. Il y a une démarche que tu dois faire pour être dans ce train, n'est-ce pas? Alors c'est toi qu'on nous dit, même si ta lumière arrive, toi tu dois te lever et être éclairé. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que la jeunesse peut se mettre debout? Et ensemble nous allons encore bénir. Des rues prophétiques, rue du et jugez vous-même. Père, nous te disons merci pour cette soirée. Merci parce que nous avons été bénis. Nous te disons merci parce que nul ne peut entrer dans ta présence et ressortir le même. Mais nous sortons de ce lieu avec un plus. Nous sortons de ce lieu avec une révélation. Nous sortons de ce lieu avec encore une onction fraîche. Papa, je te dis merci.
Et ma prière, Seigneur, c'est que cette joie, cette vie que tu as déposée en chacun de nous, nous puissions la partager. Parce que la lumière n'est pas faite pour être en dessous de la table. Mais elle brille et elle éclaire toute la pièce. Que nous puissions éclairer, Seigneur, nos familles. Que nous puissions éclairer les lieux où nous allons aller. Que nous puissions resplendir pour que ta gloire soit manifestée. Nous te disons merci et nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Acclame très fort le Seigneur et bénis ton voisin dans le nom de Jésus.